Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Et donc, on va prendre tout de suite là où on s'est arrêté. Hop, la résurrection toujours. Continuer la résurrection. Ah, des cartes non équipées, tiens. Spécial, spécial. J'aimerais bien avoir les images sur les cartes, ça serait cool. Tac, tac, tac. Régénération de santé réduit. Tac, tac. Incapacité, ça peut être cool. Pour l'instant, je vais équiper ça. Je vais voir pour plus tard. Avec un bouclier effecteur transportable. Un agent restaurant. Ok. Tac, tac, tac. Que du bon, que du bon. On va prendre ça. On va prendre ça pour l'instant. Commencer la mission. Vardos. Ah oui, c'est vrai. Sacrée planète. On y retourne. Vardos, le QG du service de sécurité de Jinata. A été annulé par l'Empire au cours de l'opération Cendre. Mais après la guerre, le titulaire Gleb a resserré son étreinte sur le système. Ouais. Tac, tac, tac. L'opération Cendre, normalement, c'était pas une destruction de planète, pratiquement. Je me souviens plus. J'ai juste qu'ils avaient commencé à faire cramer tout le reste là. Avec leur satellite. Mais pas plus. Enfin bon, on va voir ce que ça a devenu ce machin. Il ne peut plus rester grand chose de toute façon. Allez, allez. Parce que la dernière fois c'était ouais, le service de sécurité de Jinata d'ailleurs, je crois. Qui allait enlever des. Famille entière, totalement sur une autre planète. Je me souviens plus le nom du tout, mais bon. Ils allaient là-bas et on savait pas trop pourquoi non plus. Pourquoi vous avez dit à Zay de rester sur le corpus? Il s'est bien débrouillé sur Atula. On pourrait avoir besoin d'elle aussi. Gleb est une partie de ma vie que j'essaie d'oublier. Que Zay connaisse mon passé, c'est une chose. Qu'elle se retrouve face à lui, c'en est une autre. Je comprends. On n'a pas vu le cinématique, mais c'est pas grave. On est dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo d'avant. On n'est pas perdu. Au moins, il neige, c'est sympa. Ce n'est pas de la neige. C'est de la cendre atmosphérique. Le résultat de l'opération Cendre. Les restes d'une ville morte depuis des décennies. Bon, vous savez quoi? Je ne dis plus rien. De la cendre atmosphérique? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, je peux pas aller à droite, là. Idèle, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le premier ordre, c'est forcément eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons-y, en trouvant Gleb, on découvrira ce qui est arrivé à Adèle. Et vous pourrez rejoindre la résistance pour tirer les choses au clair. Attends, c'est quoi comme vaisseau là, qui arrive? Premier ordre? La dernière nouvelle, des gens vivaient encore ici. Je pensais que Gleb avait abandonné Vardos en même temps que l'Empire. Hop, 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 petite caisse. Tu diras de ça. Il s'est pas arrêté. Oh non, en fait, ça j'en fous. On devrait pas traîner ici. Mais bah attends, j'arrive. C'est Gleb. C'était Gleb. Ask. Lâchez vos armes. La tutélaire s'est avérée ne plus être très utile au projet Résurrection, ni au Premier Ordre. Le projet Résurrection? Kidnapper des enfants. Des sauvetages. Pour transformer les enfants en une armée comme cette galaxie n'en a jamais connue. Du jamais vu. Le Sénat ne vous laissera jamais faire. Aujourd'hui, le Sénat et tout le reste du système Osnian ne sont que des cendres. Toutes ces lumières rouges dans le ciel. Magnifique, n'est-ce pas? Depuis des années, la République n'a strictement rien fait. Et pendant ce temps, nous nous sommes préparés pour cette journée. Tu vois, Eden, j'espère que tu apprécieras. Aujourd'hui,
est un genre spécial. J'ai choisi d'être avec toi. Dans ce lieu où tu m'as absolument tout pris, notre escouade, ma famille, j'ai attendu si longtemps pour te le faire payer. D'abord avec Del, et maintenant avec ta fille. Non, Ask. Découvrez ce qu'ils savent sur la Résistance et brûlez cette ville. J'ai dû vivre dans ta galaxie, Eden. Maintenant, c'est à toi de vivre dans la mienne. Vardos et ils défendent leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de notre côté. Quoi, on va se battre entre eux aussi ? Oh putain, oui ! Regardez, ils sont trop occupés à s'entretuer pour nous remarquer. Dans ce cas, profitons-en. Allons-y. Ouais, on va traverser par là, tiens. Aïe ! C'est pas le monde en forêt, hein. J'ai pas vu lui. Putain, je peux pas passer par-dessus. Allez, casse-toi là. Non mais oh. On va prendre ça. Ok. Non, c'est bon. Non, ça se calme. Ok, ok, ok. Regarde un peu. Il y a du monde, il y a du monde. Juste envie de faire le plus de dégâts possible. Si jamais je dois traverser et qu'il me repère. Bon bah. Tac tac tac, ça c'est bon. On y va. Il y en a un qui a un lance-flamme. Ils nous voient la route. On les élimine. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. On est moins bon, on est bon. Un petit scan. Non. Pas ça, un scan. Lance un scan. Allez, lève la tête. Ok, par là-bas. C'est une des modules de sauvetage du corpus. Si Sei les a activés avant le crash, elle a pu s'en sortir. Dio, trouve un relais de communication. En scannant la ville, on trouvera le signal de détresse. C'est quoi ça? Attends. Sniper. Piraté, ok. Ok, ok.
Là, je vois pas grand chose en fait. Pourtant, au début, je voyais quelque chose, mais là. Allez, on y va. Je dirais que ça se bat encore devant. Continuez jusqu'au relais. Je ne suis pas là. Tac, là. Tac, ceux d'en bas ils ont pas besoin de savoir que je suis vraiment là. Soldats lourdement armés. C'est quoi ça? Non, Sam? Tu veux me pirater ça? Yo, repère tous les signaux de détresse de la ville. Des renforts arrivent à l'étage inférieur. Oh, c'est une tourelle. Quoi? On me fait tirer de par là là? Repère tous les signaux de détresse de la ville. Des renforts arrivent à l'étage inférieur. Il n'y a que deux balises. C'est mieux que rien. Vous avez raison. Allons chercher ça. Hop. Scan. Mais là, il me balance que des bombes depuis tout à l'heure. Ça, je vais l'ouvrir, ça. À toi de jouer, droïde. Ok, non, ça sert à rien. Tac. Ah, je me dis que le cyber, ça aurait peut-être été pas mal. Hop, ça sert à rien de rester par là. On y va. Venez, Zay nous attend. Regardez, un ancien TRTT. Ces marcheurs sont dangereux et rapides. Ça pourrait nous servir. Je ne veux pas me transformer en cible. Je continue à pied. Attention, ennemis lourdement armés. On va aller là par là d'abord. On se rapproche. Il faut qu'on sécurise la zone avant d'ouvrir le module de sauvetage. Bonne idée. Évitons de mettre Zay en danger. Bon, je sens déjà. Ah, c'est comme ça. Hop. Énorme. Il est en train d'aller. Aïe. On ne peut pas combattre un truc comme ça. Dépêchez-vous, nous devons trouver Zay. Faut que je la trouve ou faut que. Quoi faire de l'officier là? Saldé. Allez, tombe-toi, voilà. Aïe aïe. J'ai où là? Je sais pas trop où faut que j'aille donc. Je sécurise la zone non? Ah putain, c'est l'off.
sécurise ça ou faut que je fasse quoi avec? Je sais pas du tout. Bon, bon, bon. Ouais, ouais, ouais. Et tu veux que je fasse quoi avec ça? Rien du tout. Je peux rien faire. Zone sécurisée. Ah, voilà, merci. Pas fait exprès. Et ça va être là, bien entendu. Zay n'est pas là. Ne vous inquiétez pas. Zay est intelligente. Elle est forte. On va la retrouver. Je vais bien. Mais ils l'ont détruit, ça? Sérieux? Ils sont des armeurs! Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? On les élimine tous, jusqu'au dernier. Soldats lourdement armés. Ok, on est pas trop mal. Faut sécuriser la zone. C'est ce que je suis en train de faire, mon gars. Blaster, non, je vais garder le lance-roquette pour l'instant. J'ai pas encore localisé vraiment le module. Faut que je traverse. Ok, il est là. Il est vide. Je suis désolé. Ah, ne vous en faites pas. Elle est forcément quelque part. Il faut juste trouver où. Ouais. C'est simple de trouver où, hein. On va où? Il y a un troisième signal. Ça doit être Zay. Elle est vivante, Shriv. Et elle est toute seule. Suivez ce signal. Je retourne tout arrière en fait. Ils sont des armeurs. Tac, tac, tac. Oula. Laisse-moi passer. Laissez-moi passer! Difficile de dire qui a le dessus. Vous y réfléchirez quand on aura trouvé Zay. Un module Oula. De sauvetage! C'est elle? Non, la balise n'est pas loin. Elle a dû l'arracher et courir se mettre à la paix. On s'en fout d'ici alors. Ah, bah je pense. Jinata gagne du terrain. Je pensais pas qu'ils avaient une chance. Ils n'en ont aucune. Si le premier ordre va en retraite, c'est parce qu'ils préparent quelque chose. Jinata va se faire écraser. Zay. Ok. Elle s'est dénichée une position de tir. Allez. On peut l'atteindre. Allez. Il y a un tas d'équipements dans le coin pour l'aider. Alors on s'équipe et on va aider votre fille. Oh, une navette. Encore des stormtroopers. Oh, ils sont pourris. Wow, wow, wow!
Wow, on se calme. Je l'avais pas vu ce salaud. Ok, c'est bien d'indiquer la navette, mais par contre ce serait bien aussi d'indiquer qu'il y a un gros machin qui arrive là. C'est dénicher une position de tir. Allez. Ouais, on va se mettre plus par là. On peut l'atteindre. Il y a un tas d'équipements dans le coin pour les deux. Alors on s'équipe et on va aider votre fille. Oh, une navette. Par contre j'ai plus de lance-roquettes. Encore du stormtrooper. Il risque pas de s'approcher de cette gamine. Voilà, mais là pour l'instant. Oula. Oh, tu m'attaques pas à la tourelle, toi. Scan. Tiens, un autre là. La tourelle a gagné. Pire qu'un son tout bas, quoi. Pas sûr que j'arrive à tuer celui-ci. Occupe-t'en. Un scan, s'il te plaît. C'est bon. Je vais pas l'atteindre. Tu viens avec moi toi. Coran qui va la toucher avec son responsable. Zay, zay, zay. Non, ma puce. Ton père est mort. Quoi? On s'est trompé pour Gleb. C'est Ask qui a tué ton père. Ask est en vie? Oui, mais plus pour longtemps. On va monter à bord de Destroyer et le tuer pour de bon. Idem. Tu veux pourchasser Ask? Dépêchez-vous, il va s'enfuir! Non, maman, ça suffit. Tuer un homme ne changera pas le sort de papa. Si j'avais accepté de me battre, si j'avais rejoint la résistance, tout ça ne serait pas arrivé. Vous avez entendu Ask. Le Premier Ordre prépare son coup depuis bien trop longtemps. Rien de tout ça n'est ta faute. Et il n'est pas encore trop tard pour agir. La résistance a besoin de toute l'aide disponible. Si nous pouvions découvrir la vraie puissance du Premier Ordre. Alors la résistance aurait une chance. Ok. Ok. Mais il faut encore qu'on accède là-haut. Hé, hey, Shriv. T'aurais pas une mauvaise idée? Bienvenue dans la Résistance. Hop, nous on va s'arrêter là. On verra pour aborder le Destroyer la prochaine fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye.